Bonjour, ici Paul Ouellet, animateur du webinaire de la Caisse d'économie solidaire Desjardins sur le mentorat destiné aux entrepreneurs sociaux. Un accompagnement pour les aider à relever leurs défis. C'est quoi la différence entre mentor, coach et consultant? Un consultant, ça commence par faire un diagnostic et ça identifie des scénarios possibles de solutions. Ça les présente. Puis, une fois qu'il a fait ça, bien, le DG fait quelque chose. Mais ça s'adresse à un consultant à l'entreprise. D'abord, diagnostic, analyse, proposition. Un coach, il y a différents. C'est sûr que c'est un coach de vie, là, bien, mais ça existe aussi. Mais souvent, en entreprise, les coachs, on leur demande de développer une habilité, donc avec un objectif précis, dans un temps déterminé, et en fonction d'un résultat à atteindre. Alors, on va demander de coacher, par exemple, un nouveau chef d'équipe pour animer les rencontres d'équipe, ou un nouveau DG pour développer son sens politique. Mais donc, c'est ciblé en fonction des besoins de l'entreprise. Tandis que dans le mentorat, la cible, c'est la personne, c'est le leader, c'est le directeur. Ça va avoir un effet sur l'entreprise, mais par l'entreprise, par l'entremise de l'humain, de la personne qui se développe. Comme disait Béatrice, qui développe sa confiance en soi, qui développe des nouvelles habiletés, qui développe une nouvelle capacité d'analyse, etc. C'est le mentor est capable d'accueillir le mentoré, ben, qu'il soit DG avec un titre, ou qu'il soit fondateur, ou qu'il soit associé avec un autre dans le développement d'une cohorte de travail, il accueille son mentoré totalement dans tout ce qu'il est, c'est-à-dire dans ses forces, dans ses faiblesses, dans ses questionnements, dans ses hésitations, dans sa curiosité, dans ça. Alors, c'est pour ça qu'on parle de le mentorat s'adresse à l'humain entrepreneur. Il s'adresse pas juste à l'entrepreneur là qu'on voit dans qui roule sa machine, etc. Mais c'est l'autre volet. Derrière l'entrepreneur, il y a toujours un humain. Mm-hmm. Avec ses forces, ses questionnements, ses hésitations, ses préjugés, ses croyances, ses qualités, ses émotions. Et le mentorat, c'est vraiment s'adresser à l'humain entrepreneur. Puis ce qu'on est là, ça a une influence directe sur ce qu'on fait.